Il faut, personne n'est parfait. Et si les on bonnes, rencontre... Oh, les bonnes qualités, c'est ça qui coûte, ça te donne un grand cœur. De nature, nous les femmes, on a un grand cœur. On est retrouvertis. Donc, c'est-à-dire quoi? On ressent à l'intérieur. Un homme, quand il voit une femme, c'est la vue d'abord. L'apparence. Waouh, il craque. Et après, il approfondit, il commence à gratter. Et il connaît la personne, elle a un bon caractère, elle a ceci. La femme, nous, ça prend du temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On côtoie, je le connais d'abord. Oui, j'aime, il est galant. Oui, il est ceci, il est cela. Et c'est comme ça. Ça, c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas par après? Les fautes sont partagées. Parce que l'homme, tu te trouves déjà, tu as une chose acquise. Tu es la mère de ses enfants, tu es la maison et tout. T'as déjà pris et toi aussi, t'as déjà pris oui, et toi aussi, comme tu avais mis l'alliance, c'est sur les réseaux sociaux que tu règles, tu n'as pas le temps de t'occuper de ton homme, de ton mari. Quand il vient chez lui à la maison, il te retrouve plus la femme qui était là. Il retrouve maintenant la mère. Mais alors qu'un homme a besoin de 5 choses, tu dois connaître ton homme bien. Tu dois connaître quand il a besoin. Excusez-moi le terme, en nom direct. Quand c'est une pute, quand il veut une pute, il doit savoir quand il a besoin d'une amie, quand il a besoin d'une mère, quand il a besoin d'une femme. Quand il a besoin de la mère de ses enfants. Et ça, c'est le rôle de la femme, c'est le rôle aussi, l'homme doit connaître sa femme.